Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la découverte de Black Clover Mobile. On va découvrir tous ensemble l'intro, le jeu, les implications, tout ce qu'il faut. C'est parti, je suis même en ce moment en live. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 2-3 combats du début. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils savent à quoi s'attendre pour le début. Et après on va partir sur les invocations pour voir un peu la chance qu'on a. Et pour voir combien de diamants ils nous donnent pour les invocations. Et également voir la pitié, le nombre de points, etc. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Merci mon gars. Yeah, don't worry, just wait a little bit because I just discovered now the game. I just finished the introduction, you know? So we need to I need to finish the tutorial. Bon, mon accent éclaté en anglais, on connaît. OK. Salut, je pensais qu'on pouvait pas stream. Hein, comment ça mon ref? Bon, on n'est pas en train de stream le jeu, pas du tout mon. On n'est pas du tout en train de stream le jeu là. On a le live, il est en discussion, il n'est pas sur un jeu. Hein. Tu vois bien le tag en bas, il y a écrit discussion IRL hein. En bas du live hein. Je sais pas de quoi tu parles frérot. Vraiment pas. Hein. Moi perso, moi là je suis IRL, y'a que ma tête hein. Bah ouais, c'est l'animé hein. On va essayer de vite terminer le tuto pour voir les invoques et tout. Je sais pas quand est-ce qu'on termine. Ouais, c'est du 30 FPS, c'est normal. En fait, la qualité du jeu là, la qualité maximale du jeu, c'est du 30 FPS. C'est dû à la bêta, je pense. À la bêta sur Android. Bien sûr, là, on voit directement la différence, les amis. Là on va directement, bon je skip toutes les intros et tout, c'est pas pour, pas que j'ai pas envie de découvrir. Mais avec tous les tests de jeu que j'ai fait, les découvertes et tout, ça va. On sait à quoi s'attendre au début. On skip, on tryhard dès le début. Le seul truc que j'ai pas skip c'est les invocations. Surtout que, hein, mais frère, mais Fufu, mais je ne stream pas le jeu, arrête de dire des bêtises. Je suis en discussion IRL. Tu es en discussion IRL. Tu vois pas, je suis en discussion IRL, je joue pas au jeu. Sacré coup, hein. Et bim! Ouais, je batte! Alors, je t'explique. Je te rappelle quand Honkai Star Rail était en bêta fermée. Il y avait un gars, il a stream le jeu, il avait plus de 1500 viewers sur Twitch. Honkai Star Rail. J'ai ça, j'ai rien. Vraiment, ouais, il y a zéro prix. C'est juste que là, la qualité. C'est juste que là, en fait, la qualité, elle est vraiment au minimum. Du coup, je pense que c'est dû à la bêta.
Marara! Zéro freeze, hein? Viens, on compare un peu à Esao. Vraiment. Bon, on va mettre ça sur le côté. Ah, la qualité du jeu, elle est incroyable! Oh là 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 là! C'est trop beau! C'est trop beau! Je vais vous expliquer après, en fait, de comment. Ouais, non, mais ils ont fixé la caméra, mais le jeu reste toujours aussi moche. Bref, là, on est sur Black. Là, on est en discussion RL. On est en train de blablater autour de Black Clover. C'est cool, les gars, faut pas aller chercher plus loin. Là, c'est bon, focus Black Clover pendant une semaine. C'est cool. Pas mal tout ça, pas mal. Allez, l'aspect. Oh, oh là 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 là! Incroyable! C'est incroyable! J'ai l'impression de voir l'animé! Mais c'est l'animé, les gars! C'est l'animé en CGI! C'est incroyable! Oui, beaucoup, beaucoup, vraiment. Non, c'est trop, c'est trop. C'est trop le jeu là. Et merci pour le sub, Jordaya, ça fait plaisir. Ouais, mais c'est vrai que le jeu est plus beau que Pokémon Écarlate, hein. La bêta là. Mais V-Game 100 fois Bandai. 100 fois Bandai. V-Game Studio, dans 3 ans, ils vont reprendre Naruto et Hunter x Hunter et toutes les autres trucs. C'est obligé. Merci pour le follow, Astrox. Mao Tenni, ah ouais, la fameuse phrase de Asta. Incroyable le jeu, incroyable. Ok, là on a les cristaux pour invoquer. On a eu une petite compétence. On a bah, du coup Yuno. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, c'est la bêta globale. C'est la bêta globale, les amis. Il y en a beaucoup qui me demandent une APK là sur Twitter. Les gars, normalement c'est demain. Mais sauf qu'il y a un gars. Il nous a donné une astuce pour pouvoir y jouer aujourd'hui. En aucun cas, ça va faire une MHA Strongest Hero, frérot. Aucun cas. Ok. On reprend à ce passage-là, les amis. Du coup, là, je viens de faire la remarque en live. Mais ils ont repris plus ou moins avec une version plus améliorée de Grand Cross quand on ouvre la map et qu'on découvre les différents villages, les entre-villages et tout. Mais voilà. En termes de gameplay, c'est un peu plus poussé que Nanatsu. Il n'y a pas ce système de RNG sur les cartes ou sur les compétences. Ça, c'est cool. Hello, Nick Daddy.
Pas mal, pas mal, pas mal. Je kiffe. Je kiffe. Ok, on peut skip et tout. Attaque en zone. Pour un SR, c'est pas mal. Ok, en fait. Ah, d'accord. Du coup, le système d'énergie, en fait, il est différent. Une attaque combinée? 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 On nous avait pas montré ça dans le trailer? Dans les trailers des gameplays? Pas mal. Il y aura les résultats demain, enfin ce soir ou demain matin. Attendez les gars. On arrive enfin aux invocations. Incroyable les amis, incroyable ce jeu. Et merci pour le follow, le Spearman. La force du manga, c'est qu'il y a pas mal d'attaques combinées. Ouais, et pas que, hein. La force du manga, c'est qu'il y a une variété de personnages. Et qu'il y a une belle histoire. C'est surtout ça. Ok, on démarre les invocations. Les amis. On va faire les petites multi. Summon. Oh là 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 là. Alors qui on va voir? Qui je vais avoir? Ok, carte. Encore. Cool. Ok, that all mesh can use. Ok, toutes les mages peuvent l'utiliser. Ça aussi. Premier personnage, bon lui on s'en fout en soi. Close. Mais j'ai envoyé pas mal de vidéos en journée. Hein. J'ai envoyé pas mal de vidéos en journée, ça c'est sûr. Un doublon de Revchi, Salik, ok. Qui? Oh! Wagoleon! J'avais reconnu son truc! Oh là 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 là! Oh! Pour cette bêta là, on est bien. Là, on est bien. De quoi il se passe quoi sur Twitter? Il se passe quoi sur Twitter? Ah, j'ai droppé les deux frères. Ok. Incroyable. Bon, pour cette première vidéo, on s'arrête là. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. J'espère que la hype, elle est encore plus présente qu'avant. Vous venez d'avoir. Vous venez d'avoir. Un aperçu sur le gameplay, sur l'interface, sur les mouvements, sur les invocations. Et bien sûr, ça ne sera pas tout. Je ferai pas mal d'autres vidéos. Il se peut que je sois strike par la suite, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner par la suite. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace!